Comment une telle merveille peut-elle être en train de mourir? Un fléau ravage la terre, mais l'arbre de vie résiste. Pour combien de temps? La fin du nouveau monde approche. Les tribus sont toujours divisées. Elles ont besoin d'une personne assez forte pour les unir ou les achever. Cette histoire a débuté de la manière la plus insolite qui soit. Alors, attendez-vous à une fin stupéfiante. Bienvenue dans Biomutant. Sentez ce vent parcourir votre pelage. On sait jamais. Regardez ce récup en métal là-bas. Pratique! À chaque verrou correspond une clé. Quel trésor! Voilà qui sera fort utile. Le caoutchouc est trop amusant, il est si flexible. Optez pour un atterrissage en douceur.
Elle ne s'ouvrira pas. Les tribus ont besoin de quelqu'un pour les unifier. Pattes en haut, pattes en bas, on y va! Le vent est tranchant comme des lames de rasoir. C'est un repère de monstres. Aucun doute possible. Allez, balai!
En voilà du bon, l'électrodéchet. Essayez donc une clé. L'obscurité nimbe le monde. Regardez-moi ce récup en plastique qui attend juste que quelqu'un l'utilise. Il paraît qu'on finit par s'habituer à l'odeur de fauve. On monte.
fait si froid qu'on en frissonne. Joli tir. On peut toujours trouver une utilité au caoutchouc. Voyons voir. Si une histoire vous concerne, mettez-vous en scène. Le vendeur prétend que vous ne trouverez pas mieux ailleurs. Assure avoir déjà dit tout ce qu'il y avait d'intéressant à dire. Donc, pas de problème. Propose des prix extraordinaires pour des objets extraordinaires. Dis que c'était intéressant de discuter avec vous. Vous voyez cet électrodéchet ? C'est toujours pratique. La lumière est presque aveuglante.
Concentrez-vous sur aujourd'hui, car demain n'arrivera peut-être jamais. Se réjouit de vous voir en activité pendant la journée. Dit que c'était intéressant de discuter avec vous. Le temps passe. Tâchez d'agir tant que vous le pouvez encore. Parie que vous trouveriez une utilité à ce métal. Vous sentez ça? Il y a un danger biologique dans les parages. Le mieux avec ce moyen de locomotion, c'est qu'il consomme uniquement du phytocarburant. Pas aussi bien qu'un escalier, mais ça fera l'affaire. Je me demande ce que Toxanol a déversé dans ce puits bourbe. C'est fermé. Regardez pas en bas.
tranché servez. Pleine face. Circuit. Ça ne vous a pas pris bien longtemps. Vous devez aligner les interrupteurs pour les faire correspondre. Bien, le courant électrique est suffisant pour initialiser les déclencheurs et activer le réseau. Le destin est une chose amusante, mais il ne vous fera pas toujours rire. Nec plus ultra. Ce que vous pourriez faire avec ça. Ne le laissez pas errer. Indiquez la direction à suivre. Si vous cherchez des monstres, vous êtes au bon endroit. De rasoir. Tu récupères en métal? En voilà du bon matériel.
Ne vous laissez pas emporter par la pluie. Ne mélangez pas les clés. Ça pourrait vous être utile. Je préfère ça. Ça ne vous donne pas une sensation incomparable de chevaucher cet animal ? On trouve plus beaucoup de races de drôles dans ce pays-là. Il y a peut-être encore des choses à récupérer. Des trucs avec ça. Transformation en passoire. L'éclair de génie. Joli coup, donnez le coup de grâce. Esta filade. Êtes-vous capable de vous orienter grâce aux étoiles ?
quelle chance! Vous devez actionner les opticommandes pour l'allumer. Excellent, ça s'illumine. Le soleil est bien loin. On ne sait jamais ce qui se cache dans l'obscurité.
quoi que vous fassiez, faites le bien ou ne le faites pas du tout. Il semblerait qu'il y ait assez de goupeaux pour fournir des munitions infinies à l'octopode. Il est surpris que le tortipouf ait été capable de retenir sa respiration pendant tout ce temps. C'est encore une nouvelle preuve de l'évolution forcée par la pollution de toxanol. Le fait qu'il soit sous la saline a permis au tortipouf de tranquillement ronger la racine sans s'être dérangé. Ce qui veut dire que la racine nord-ouest a subi plus de dégâts que les autres. Il est persuadé qu'il reste assez de temps pour confronter le tortipouf. Mais se demande si lui-même ne survivra pas au monde, même si vous arrêtez les mange-monde. Le futur est entre vos mains, alors prenez-en soin.
Il s'agissait du dernier d'entre eux. Vous avez scellé le destin de la tribu et de l'arbre. Il est temps de mettre un terme à tout cela. Vous avez votre propre destinée. Suivez-la et rendez-vous chez le fossile. Il ne vous a jamais parlé de ce qui allait suivre, mais il est certain de vous inclure dans le processus. Contentez-vous d'être vous-même et de respecter les autres quoi qu'il arrive. Ils sont fiers de vous. Vous êtes la lumière qui guide la tribu. Il est temps de retourner à l'arbre une dernière fois. Wiz sait que ce sera comme d'habitude, mais il aime discuter avec vous. L'optimisme à toute épreuve des myriades leur attire la sympathie des autres tribus. Trouve étonnant que vous ne puissiez pas rester. Wiz sait que ce sera comme d'habitude, mais il aime discuter avec vous. Vous souhaite une bonne journée. C'est plutôt effroussant comme endroit. Le fossile affirme que les signes annonciateurs de la fin du monde sont partout. La nature se prépare à prendre sa revanche. Le jour du jugement dernier arrive, et vous faites partie des invités. Il sent que votre sort va se jouer. Si vous n'avez pas encore choisi les êtres de lumière vous ressemblant qui ont mérité leur place sur l'arche, c'est le moment ou jamais. Profitez de cette dernière chance de vous assurer que Lupa Lupin est bien hors d'état de nuire. L'arbre a réglé ses comptes, mais pas vous. Comme Lupa. Il dit que vous devez avoir un ultime tête-à-tête avec Lupa Lupin. Comme Lupa. Il serait heureux de rendre service. Koibe au Corfabe. Comprends que vous ayez d'autres miaou à fouetter. Dites au revoir à une nuit de plus. Thank you.
Le Sifu a soif de vengeance, lui aussi. Il n'a pas oublié les crimes de Lupin Lupin et veut également l'empêcher d'attaquer sa tribu. Ce n'est pas parce que le monde semble capable de survivre qu'il le doit. Il espère que vous partagez son point de vue, même si cela va à l'encontre de votre nature bienveillante. Il n'y a pas de place pour les prédateurs dans le monde que la tribu Myriade veut bâtir. Mais il reconnaît que c'est votre combat et votre décision. Lupin Lupin craignait ses propres chaînes, pas les racines de l'arbre. Cela l'a fait changer. Vous avez l'occasion de vous retirer et de laisser la tribu s'en charger. Sur le point de tourner en votre faveur. Le choc se répand lorsque le monde s'écroule. Ce n'est pas une prophétie. Je ne fais qu'anticiper l'avenir, celui que vous forgez ainsi. Voilà une démonstration de puissance bien plus claire. Puissant.
tout s'achève, le prédateur souffre tout comme le monde. Mais au moins, c'est signe qu'ils sont encore en vie. Cette situation est une question de vie ou de mort, et il n'y a que toi pour en décider. C'était inattendu, mais j'apprécie. Le grand méchant prédateur mord la poussière. J'aurais raté ça pour rien au monde. Je pense que ce qui nous manque ici, c'est quelqu'un qui ait du cœur et une âme noble. Or, il ne nous reste plus que ceux qui ont perdu la tête. Le cœur et l'âme, la vie et la mort, tout ça c'est la même chose. C'est juste le point de vue qui diffère. Et mon point de vue est largement supérieur. Tu te fourvoies, n'importe qui le verrait. Mais tu as raison pour cette histoire de point de vue. Seulement, tu as fait basculer le monde dans les ténèbres et emporter des amis, des parents, et maintenant, une vie de plus. Au final, ce sont nos décisions qui nous définissent. La paix ne saurait exister sans le pardon. C'est le moment ou jamais d'accepter une main tendue. Vous demandez-vous ce qu'aurait été votre vie si vous aviez fait les choses différemment? Si vous aviez emprunté la voie de gauche plutôt que celle de droite? Si vous aviez dit oui au lieu de non? Vous avez parcouru la fine ligne qui sépare la survie du désastre et n'avez pas encore perdu votre équilibre. Grâce à vous, l'arbre de vie et le monde ont une nouvelle chance. Vous avez défendu la lumière dans un monde envahi de ténèbres et joué un rôle clé dans l'avènement du renouveau. Vous avez forgé une alliance avec la tribu Myriade, cherché à comprendre le bien commun et respecté un code d'honneur. Cependant, la lumière et les ténèbres représentent simplement la dualité de la vie. L'un ne peut exister sans l'autre. Ce n'est pas la fin. Le simple fait d'être au sein de la nature tandis qu'elle guérit nous redonnera vie. La nature nous enseignera la survie. Laissez-vous donc guider par votre conscience et le reste coulera de source. Il sait des choses que vous devez connaître. A du pain sur la planche, donc pas de soucis. Mais vous n'êtes pas solitaire. Vous avez peuplé l'Arche de camarades qui partagent votre vision et ont mérité votre confiance. Ils vous accompagneront dans votre voyage. Existe-t-il un monde plus adapté que celui-ci pour ceux qui sont trop bienveillants pour atteindre l'harmonie ? Quoi qu'il advienne, votre histoire sera immortalisée, de sorte que les générations futures sauront que vous avez suivi votre nature bienveillante et sauvé le monde. Eh bien, au bout du compte, c'est un dénouement plutôt insolite. Quelle meilleure conclusion qu'une fin juste et méritée ?
tout achever selon vos propres termes et repartir sur des bases saines.
Thank you.